Bonsoir maître. Bonsoir patron. Alors aujourd'hui c'était le jour où on devait rendre la décision concernant le renvoi de la procédure concernant notre dernier, oui. La chambre de jugement. Oui. Alors quelle est la décision rendue? Est-elle favorable à vous? Bon, il va de soi, c'est la même chose que Kassori. La procédure concernant Dr Diané, Dr Kassori et Dr Oué sont des procédures purement politiques. Donc si on a renvoyé Kassori devant la juridiction de jugement, il va de soi pour Dr Diané aussi, c'est l'irrécevabilité de notre appel. Donc mais, vous êtes débouté? Oui, on est débouté, mais dès demain, il y aura pourvoi. La cause sera examinée par la Cour suprême avant tout procès. C'est ce qu'on a dit à M. le procureur très spécial. S'il vient un procès, il n'a qu'à désister de son pouvoir par rapport aux libertés. On verse les cautions, on vient aux audiences. Mais comme il sait faire ses recours, nous aussi on va exercer nos droits de recours. C'est après la Cour suprême. Et comme le 14 déjà, il y aura les audiences par rapport aux libertés, sans oublier qu'on a saisi la CEDEAO, après la justice communautaire de la CEDEAO, on verra maintenant, après l'examen de la Cour suprême, si le débat peut s'ouvrir devant la juridiction du jugement. Mais pour le moment, on a perdu et on va exercer le pouvoir. Le procureur était sûr qu'il y a des faits qui pèsent contre vos clients, que vous partiez au procès. Est-ce que vous maintenez cela jusqu'à présent? Même tout de suite, le dossier là est vide, on est prêt à plaider. Mais quand on sait qu'on viendra pour une décision où on est condamné à l'avance, si on sait qu'on refuse la justice, le juge d'instruction qui a instruit l'affaire à ordonner la liberté, on refuse d'accorder leur liberté, les passeports sont saisis, les cartes, les voitures sont saisies, les immeubles sont saisis, les comptes en banque sont saisis. Alors, pour des faits non prouvés, non avérés, alors pourquoi on refuse de les libérer? Quand le dé est pipé, si le procès n'est pas équitable, on ne viendra pas faire le jeu de M. le procureur très spécial qui n'est là que pour répondre sur les instructions des hommes politiques pour empêcher nos candidats. Et Dr Kassori, Tchoko Tchoko sera candidat à la République de Guinée. Advienne que pourra, que la justice triomphe, c'est l'essentiel. Vous avez saisi la CEDEAO, voulez-vous que l'État du Guinée soit condamné dans ça? Si l'État se comporte au-delà de la loi, les principes aussi sont simples. C'est la violation des gardes à vue, détention prolongée, la violation de la présomption d'innocence, parce que la culpabilité est devenue des règles à la CRIEF. Et à partir du moment où, en matière correctionnelle, le mandat de dépôt n'est renouvelé qu'une fois après 4 mois, ça leur fait 11 mois de détention préventive. On refuse de les libérer, malgré qu'ils sont malades. Je crois qu'on ne viendra pas faire le jeu des hommes politiques ici pour faire plaisir à M. le procureur très spécial pour avoir sa décision d'enregistrement, empêcher nos clients d'être candidats demain. Ils seront candidats, ils sont guinéens, c'est aux Guinéens de les départager. Ce n'est pas par une décision politique qu'on viendra les faire condamner ici. Ils seront envoyés devant la chambre de jugement pour être jugés. Si cette procédure ou ces procédures prenaient beaucoup de temps, est-ce que vous ne serez pas pris pour responsable? Non, on sait ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup. Il n'a même pas pris encore nos recours. Il y aura beaucoup de recours. Est-ce qu'il a lu l'ordonnance qui a créé, qui a institué la CRIEF? Il y a tellement de vices, de formes dedans. On veut seulement d'abord la liberté de nos clients. Le reste, il va apprendre le droit. C'est l'essentiel. Merci. Je vous en prie.